Bonsoir à tous. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Alors, on va commencer le troisième TP. Donc, le troisième TP, on va apprendre un nouveau mécanisme pour pouvoir sécuriser un réseau local. Ce mécanisme, ce sont les ACL. Donc, une ACL, ou bien une liste de contrôle d'accès, ou bien access control list en anglais, c'est un mécanisme qui permet de contrôler le trafic entrant et sortant. C'est-à-dire que si on configure une ACL au niveau d'un équipement d'interconnexion, cet équipement d'interconnexion va soit accepter le trafic, soit le refuser, donc soit accepter le trafic qui sortant, entrant, etc., plusieurs types de trafic et plusieurs façon de filtrer ce trafic, donc soit par adresse IP, numéro de port, protocole, etc.
les ACL, on peut configurer les ACL uniquement au niveau des routeurs, donc on ne peut pas configurer les ACL au niveau des commutateurs. Pourquoi ? Parce qu'ils ne manipulent pas déjà les adresses et tout ce qui est identifié en logique, comme numéro de port, etc. Donc tout ce qui appartient aux couches supérieures. Alors ce qu'il faut retenir, donc une ACL, elle s'applique au niveau d'un routeur. Et dès qu'on met en place des ACL au niveau d'un routeur et qu'on les active au niveau de ses interfaces, ce routeur-là, il va jouer le rôle d'un pare-feu. C'est-à-dire qu'il va non seulement acheminer les données et les router, mais aussi filtrer ces données. C'est-à-dire qu'il va consulter l'ACL qui est active à son niveau et voir s'il accepte ce trafic ou s'il le refuse. Donc si on configure une ACL au niveau d'un routeur, c'est comme si on a configuré un pare-feu simple. Est-ce qu'il y a toujours des coupures ? Non ? Voilà, donc vérifiez votre connexion. Alors, avant de débuter le TP, je vais vous donner quelques petites notions concernant les ACL. Donc, en général, nous avons deux grandes familles d'ACL. On a les ACL simples et on a les ACL complexes. Alors, comme j'ai dit, les ACL, ça permet de filtrer le trafic, l'autoriser ou le refuser, etc. Alors, les ACL simples, il y en a deux types. Donc, il y a les ACL standard et il y a les ACL étendus. Au niveau des donc les ACL complexes, ce sont des ACL qui utilisent les ACL simples et on ajoute aussi d'autres fonctionnalités. Au niveau de ce TP, on va voir les ACL standards et les ACL étendus. Donc aujourd'hui, on va voir les ACL standards et la semaine prochaine, on verra les ACL étendus. Les ACL complexes, il y en a trois types. Donc il y a les ACL dynamiques, il y a les ACL réflexives et il y a les ACL datées. Alors, ces trois types d'ACL, vous les verrez l'année prochaine au niveau du module sécurité et contrôle du trafic réseau. Donc vous reverrez les ACL standards étendus, donc vous verrez, ça sera un rappel, et vous verrez en détail les ACL dynamiques, réflexives et datées. Alors, les ACL, puisque aujourd'hui on va voir les ACL standards, donc ne faites pas attention, faites comme s'il n'y a pas ces autres types-là. Donc vous allez comprendre la différence entre les différents types une fois le TP terminé. Donc vous verrez ce qu'on peut faire au niveau des ACL standards et ce qu'on ne peut pas faire au niveau des ACL standards, qu'on peut faire au niveau des ACL étendus. Donc aujourd'hui, on va voir uniquement les ACL standards. Alors, une ACL standard, c'est une ACL, c'est la plus simple ACL qu'on peut configurer. C'est une ACL où on se préoccupe uniquement. Vous ne voyez pas bien l'écran. Alors, je répète, une ACL standard, c'est l'ACL la plus simple à... Oui, je pense que c'est à votre niveau espoir. Alors, une ACL standard, c'est l'ACL la plus simple à mettre en place. C'est une ACL aussi qui ne présente pas beaucoup d'options concernant le filtrage. Le filtrage au niveau d'une ACL standard se fait uniquement selon l'adresse IP source. Donc, on filtre un trafic uniquement en utilisant cet attribut-là, donc adresse IP source. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en utilisant une ACL standard, filtrer selon l'adresse IP de destination, par exemple, ou bien les numéros de port, ou bien les protocoles, etc. Donc, on se base uniquement sur ce paramètre. Donc là, on peut conclure que l'ACL étendue, elle va permettre le filtrage selon d'autres attributs qui sont les adresses IP de destination, les numéros de port source et destination, et les protocoles. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que les ACL, que ce soit les ACL standards ou bien étendues, elles sont définies par soit un numéro, soit un nom. Donc on peut créer une ACL standard en lui donnant un identifiant, ou bien on peut créer une ACL en lui donnant un nom. Donc les identifiants acceptables concernant les ACL standards, donc ça va de 1 jusqu'à 99.
et ça va aussi de 1300 jusqu'à 1999. Donc ça, c'est pour les ACL standards. Pour les ACL étendus qu'on verra la semaine prochaine, ça va de 100 à 199 et ça va de 2000 à 2699. Donc, si, par exemple, si on veut créer une ACL standard et on donne un autre chiffre qui ne fait pas partie de ces deux intervalles, ça ne va pas marcher. Pourquoi ? Parce que les ACL standards, elles peuvent occuper uniquement ces plages au niveau des identifiants. Ou bien un nom, donc un nom, c'est une chaîne de caractères. Donc, vous pouvez nommer une ACL via son nom. Donc, on peut créer une ACL donc standard ou bien étendue. Donc, ça, c'est la même chose pour les deux. Soit numéroté, un des identifiants au niveau de ces deux plages, ou bien nommé. Au niveau de paquet tracer, on peut utiliser uniquement cette plage. Donc, on ne peut pas utiliser la plage qui va de 1300 à 1999. Et le nom, on peut donner une chaîne de caractères. Donc, ça, c'est un ensemble de caractères alphanumériques. Alors, pour créer déjà une ACL, donc je vais donner un peu les syntaxes pour vous familiariser. Donc, comme j'ai dit, ça se fait uniquement au niveau d'un routeur et ça se fait au niveau du mode de configuration du terminal. Donc, comme ceci. Donc, pour créer une ACL standard, on tape la commande IP access list et le mot-clé standard pour dire que l'ACL qu'on est en train de créer est de type standard. Standard, N. Et là, on donne l'ID. Donc, soit on donne l'ID, soit on donne le nom. C'est la même chose. Donc, si on donne un ID, un chiffre qui varie de 1 à 99, il va savoir qu'on est en train de créer une ACL numérotée. Si on donne une chaîne de caractères, il va savoir qu'on est en train de créer une ACL standard nommée. Et si on donne un chiffre au niveau d'autres plages, c'est-à-dire que concernant par exemple la plage étendue, ça va nous afficher une erreur. Donc cette commande-là, elle permet de créer. On les utilise aussi au niveau des routeurs. Alors, ACL standard et étendue qui sont des ACL simples, donc ça permet uniquement de filtrer le trafic selon des attributs, donc adresse IP, numéro de port, protocole, etc. Pour les ACL complexes, il y a d'autres options. Elles offrent d'autres options. Par exemple, on autorise le trafic via une authentification dans le cas des ACL dynamiques. On autorise le trafic que s'il a été initié depuis la source dans le cas des ACL réflexives. Les ACL datés, par exemple, on autorise le trafic uniquement durant une période de temps donné, c'est-à-dire pendant les... Par exemple, on peut faire en sorte de créer une ACL qui est active uniquement le soir, ou bien une certaine horaire, ou bien un certain jour, etc. Donc, elles sont pour pouvoir les étudier, il faut d'abord étudier les ACL standards et étendues. Pourquoi ? Parce qu'elles se basent sur les ACL simples et permettent d'offrir plus d'options de filtrage. Voilà. Alors, on revient aux ACL standards. Donc, cette commande-là, elle permet de créer soit une ACL standard numérotée ou bien nommée. Une ACL, donc, comme autre définition, c'est un ensemble de règles. C'est un ensemble de règles d'autorisation ou bien de refus. Et on les lit de manière séquentielle, c'est-à-dire du haut vers le bas. Donc, quand on crée une ACL, là, on va entrer dans un nouveau mode, un mode de configuration d'ACL. Donc, il ressemble à ça. C'est config standard ACL. Je pense que c'est STD et NACL, comme ça. Donc, quand on crée une ACL, on rentre dans le mode de configuration de l'ACL. Et là, on va mettre les règles de cette liste de contrôle d'accès. Les règles, donc, on a le mot-clé soit permit, soit deny. Permit pour dire que je vais autoriser le trafic dans le cas de cette règle. Deny pour dire que je vais interdire le trafic dans le cas de cette règle. Donc, on a soit permit, soit deny. Et après, on a l'adresse IP. Donc là, on a le réseau, si on veut. Donc, on a trois paramètres. Donc, soit on met une adresse IP d'un réseau. Donc, permit adresse IP réseau veut dire que je permets, j'autorise le réseau à communiquer avec moi. Deny adresse IP réseau veut dire que j'interdis à ce réseau de communiquer avec moi. On peut mettre soit une adresse IP réseau, on peut mettre soit un hôte donné, donc via le mot-clé host, et son adresse IP. Maintenant, on met une adresse IP
unicast, c'est-à-dire que c'est une adresse IP propre à un équipement donné. Ou là, on met le mot-clé any. Permit any veut dire qu'on permet tout le monde. Permit any, c'est comme si on avait mis permit et tous les réseaux qui puissent exister. Donc, voilà la syntaxe de l'ACL. Là, c'est la création de l'ACL. Et là, c'est la mise en place ou l'établissement des différentes règles de cette ACL. On peut mettre autant de règles qu'on veut. Donc, par exemple, je vais vous donner les définitions de chacune. Donc, permit. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Alors, permit any. On autorise l'accès pour tout le monde. Pour tous. Permit host, par exemple, comme ceci. On va permettre l'accès uniquement à cet hôte-là qui a cette adresse IP. Et permit, quand on ne met pas le mot-clé host, on met une adresse IP réseau. Point 1, par exemple, point 0. Là, ce qu'il faut mettre, donc j'ai oublié de le dire, c'est le masque. Le masque qu'on met, c'est un masque inversé. Donc, par exemple, si on veut permettre le réseau 192.168.1.0/24, on mettra le masque inversé comme ceci. Voilà. Même chose pour les autres, il faut juste remplacer permit par deny pour dire qu'on n'autorise pas, qu'on interdit l'accès à tout le monde, qu'on interdit l'accès à cet hôte et qu'on interdit l'accès à tout ce réseau. Et on peut mettre plusieurs. Par exemple, si je saisis, par exemple, comme ceci, permit. Point 1, point 0. Et après, je mets un permit point 1. Non, je vais mettre autre chose. Voilà. Naya, ça veut dire que je permets l'accès au réseau 1.0 et à l'hôte 2.1. Donc 2.2, 2.3, etc. n'auront pas l'accès, seront refusés. Qu'est-ce qui se passe, Yannick, au niveau d'une ACL? Donc, comme j'ai dit, le routeur, dès qu'il reçoit au niveau de son interface des paquets IP, il va analyser l'entête IP et il va voir s'il y a une ACL qui est active à son niveau. S'il y a une ACL qui est active à son niveau, il va lire la liste de toutes les règles du haut vers le bas. Donc, si, par exemple, pour la première, si il y a le lot 2.2 qui veut accéder, la première règle, il va faire un deny parce qu'il n'est pas concerné. La deuxième aussi, il va faire un deny parce qu'il n'est pas concerné. Et à la fin, si aucune des règles n'est validée, on refuse totalement. C'est comme si il y a une règle implicite qui existe. Deny any. Donc, Hedia, pas la peine de la saisir. Elle existe par défaut au niveau d'une ACL. Ça veut dire que si il n'y a aucune règle qui ne satisfait ma requête, si on veut, c'est comme si je suis en train d'appliquer la dernière règle qui existe au niveau de l'ACL, qui est le deny any. C'est-à-dire que si ce n'est pas validé ici et ici, je la refuse catégoriquement. Donc pour faire en sorte que mon ACL ne refuse, par exemple, si j'ai ce cas de figure, par exemple j'ai un deny, j'ai envie que mon ACL refuse le réseau 2.0. Uniquement le réseau 2.0. Si je laisse comme ça, maintenant, à chaque fois que par exemple, si le 1.0 il veut accéder, Hedi, elle ne le concerne pas, il va être refusé. Pourquoi? Parce qu'on va appliquer la dernière règle qui est implicite, qui est le deny any. Pour faire en sorte que uniquement le réseau 2.0 soit refusé, il faut impérativement ajouter cette règle qui est la permit any. C'est-à-dire que je refuse uniquement le réseau 2.0, mais je permets tout le monde. Mais il ne faut pas faire en sorte d'écrire l'ACL comme ceci, par exemple. Si je débute par la règle permit any, c'est comme si que celle-là ne sera, sera jamais vérifiée. Pourquoi? Parce que permit any, on va permettre l'accès à tout le monde. Donc l'ordre technique au niveau de la saisie des règles au niveau d'une ACL est important. Parce que le routeur, il va lire la liste des règles du haut vers le bas. Quand, par exemple,
un PC avec une adresse IP 2.20 veut accéder, donc normalement il est refusé via cette règle. Mais dès qu'il rencontre la première règle qui est Permit Any, elle va le laisser accéder au réseau, alors que normalement il n'a pas le droit d'accéder. Donc l'ordre aussi, il est important. J'ai pas compris. Alors, configurer une ACL au niveau d'un routeur, c'est comme si on est en train de configurer un pare-feu simple. Donc le routeur, il va plus jouer le rôle uniquement du routage et de l'acheminement des paquets, mais aussi le rôle d'un pare-feu simple. Le routeur, il peut être considéré comme étant un pare-feu. Un pare-feu, donc c'est vrai que le pare-feu, c'est un peu vague. Il y a les pare-feux logiciels, il y a les pare-feux matériels, il y a des pare-feux, si on veut, c'est des équipements à part entière. Mais on peut aussi configurer un pare-feu en utilisant les ACL. C'est comme si on ajoute une couche logique au routeur pour faire en sorte qu'il agisse comme étant un pare-feu. Oui, en quelque sorte, oui. Alors, si on fait un deny 192 1.0, puis le mask, puis permit host, et kif, ça va refuser tout le réseau, alors que normalement, ça devrait accepter cet hôte-là. Donc, il faudra d'abord commencer par permit 1.2, puis refuser tous les autres. Mais c'est la première, elle est validée. Dès qu'on rencontre une règle où il en refuse, on sort carrément. Voilà. Alors, on va appliquer ce qu'il faut faire comme remarque. Par exemple, à ce stade-là, quand on saisit les deux commandes, donc on crée notre ACL et on crée les règles de l'ACL en question, là, il y a le routeur. L'ACL, si on veut, elle ne sera pas active. Non, on lit du haut vers le bas. Le routeur, il lit du haut vers le bas. Alors, si on s'arrête à ce stade-là, pardon, l'ACL, elle n'est pas activée. Pour pouvoir activer une ACL, il faudra l'appliquer au niveau de l'interface d'un routeur. Donc on rentre en mode de configuration d'interface, config if. Donc Nayatanik, c'est à vous de voir quelle interface choisir, que ce soit par exemple si on a un réseau où il en a de plusieurs routeurs, donc quelle interface, par exemple l'interface fast ethernet qui est à droite ou bien la serial qui est à gauche, etc. Donc je vais vous l'expliquer au niveau quand on va faire l'application. Pour pouvoir activer une ACL, c'est via la commande IP. Comment configurer un pas? Attendez qu'on finisse d'abord ça et on fera ça après. Déjà, c'est pas l'objet du TP. Parfait, comme j'ai dit, c'est très vaste. Il y a des équipements, par exemple pare-feu, qui existent. On peut les acheter carrément. On peut configurer un routeur ou un modem comme étant un pare-feu via les ACL. On peut installer un pare-feu qui est un logiciel. Complexe aussi, ça dépend. Ça dépend ce qu'on veut filtrer. Pour l'instant, on est en train juste de filtrer selon les adresses IP sources. C'est tout. Et après, comme j'ai dit, mais là, il y a plusieurs options, plusieurs paramètres. Il y a l'authentification, il y a la date, etc. Il faut juste se mettre en tête qu'un pare-feu, dès qu'il y a du trafic qui arrive à son niveau, donc un pare-feu déjà de base, il est de niveau 3 ou plus. Dès qu'il y a du trafic qui arrive à son niveau, quand il analyse les entêtes, il va voir s'il l'accepte ou bien il refuse le trafic. Que ce soit un trafic entrant ou bien un trafic sortant. Alors, où est-ce que je me suis arrêtée? Donc, comme j'ai dit, une interface, pour qu'elle soit active, elle doit être appliquée au niveau d'une interface. Donc, si via la commande IP, access, group, et là, on a soit le nom, soit le numéro, donc l'ID ou bien le nom de l'ACL. Si on a créé une ACL nommée, on met le nom. Si on a créé une ACL numérotée, on met l'ID. Et là, on a le mot-clé, soit in, soit out. In pour le trafic entrant, out pour le trafic sortant.
Alors, on va essayer de faire un petit exemple. On va faire en sorte qu'il y ait quatre réseaux. On va mettre trois routeurs. On va mettre des commutateurs aussi. Où est-ce qu'ils sont? Voilà. Et on va mettre, je pense, 8 PC. Donc, première étape, il faut d'abord créer tout le réseau et faire en sorte qu'il y ait la connectivité. Donc, essayer de tester tous les pings. Et après, créer les ACL et voir que réellement le ping ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une ACL qui est en train de l'en empêcher. Donc, on va câbler d'abord. Ah, j'ai. C'est même si elle. Voilà. Donc là, on a quatre réseaux. On va opter pour des adresses simples. Donc réseau 1, 2, 3 et 4. Passerelle point 10. Pour l'autre, c'est l'adresse 2. L'interface 0 slash 0, ça sera la passerelle. Et la 1 slash 0, ça sera le réseau 2, donc 2.10. Donc j'utilise l'interface graphique juste pour être plus rapide. Donc là, ça sera 2.1. Deux point deux. Bon, Naya, la passerelle, donc soit on met celle-là, soit on met celle-là. Si on met celle-là, oh, il n'y a pas de problème. Alors, allez, c'est la 0 slash 0. Là, c'est la 3. 10. Trois point deux. Voilà. Et là, ça sera le réseau 4. Quatre point dix. On va juste après configurer le routage. Voilà, maintenant, alors, on va maintenant configurer le routage au niveau des trois routeurs. Alors, routeur OSPF 1. Donc, regardez, il connaît le réseau 1.0 et 2.0.
ce routeur il connaît les réseaux 2 et 3. Et celui-là, il connaît le réseau 3 et 4. Ah, j'ai oublié la zone. Voilà. Normalement, maintenant, il devrait y avoir connectivité entre tous les équipements. Voilà. Et les derniers réseaux 1 et 4. Voilà. Maintenant, on a un réseau qui est où la communication est complète. On va faire en sorte qu'il y ait un routeur, par exemple le routeur numéro 4. Donc, est-ce que jusque-là ça va? Alors, on va faire en sorte que le réseau 4.0 ne puisse communiquer uniquement avec le réseau 1.0. Donc aide le réseau, on va faire en sorte qu'il ne puisse communiquer qu'avec celui-là. C'est-à-dire que si on teste après les pings à partir du réseau 2.0 ou bien à partir du réseau 3.0, ça ne va pas marcher. Alors l'idée, au niveau des ACL standards, donc puisqu'on ne spécifie pas l'adresse IP de destination, donc puisqu'on filtre uniquement selon l'adresse source, donc on aura une commande du style permit 1.0. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire en sorte de créer l'ACL le plus proche de la destination. Le plus proche de la destination veut dire au niveau du routeur R4. R4, le routeur qui est relié au réseau 4.0. Donc, première étape concernant les ACL, c'est de choisir à quel emplacement on crée l'ACL. Donc, l'ACL standard, toujours retenez cette règle, c'est qu'elle est créée le plus proche de la destination. Contrairement à l'ACL étendue qu'on verra par la suite, qui doit être créée le plus proche de la source. Donc, retenez que l'ACL standard doit être créée le plus proche de la destination, c'est-à-dire au niveau du routeur HADA, routeur R4. Donc, c'est ici qu'on va créer l'ACL. Donc, on va la créer. Mode de configuration du terminal. IP access list standard. Regardez, Naya. Je peux mettre soit un identifiant qui va de 1 jusqu'à 99 ou bien une chaîne de caractères pour créer une ACL nommée. On va opter pour une ACL numérotée, donc par exemple l'ACL 10. Regardez, dès que je tape cette commande, là, j'ai créé l'ACL 10 et là je suis en mode de configuration d'ACL standard où je peux créer les règles. La règle que je vais mettre en place, donc là, qu'est-ce qu'on a dit? On va permettre uniquement la communication avec le réseau, le réseau 1.0 peut communiquer avec le réseau 4.0. Donc on va mettre un permit 192.168.1.0 avec le masque inversé. Ah voilà, j'ai mis un 0 de plus. C'est tout. La règle, quand je mets ça, veut dire qu'il y aura uniquement le réseau 1.0 qui pourra communiquer avec le réseau 4.0. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, il y a une règle implicite qui est le deny any qui va interdire tout le reste. Ça veut dire que cette ACL, elle ne va permettre que la communication du réseau 4.0, il pourra avoir comme message que source uniquement à partir du réseau 1.0. Donc, il n'y a pas la peine d'ajouter le deny any. Pourquoi? Parce qu'il est implicite. Alors, on va maintenant, donc à ce stade-là,
L'ACL, elle est juste créée, elle n'est pas activée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va l'activer au niveau de R4. Plus précisément, on va l'activer au niveau d'une des interfaces du routeur R4. L'interface par laquelle on va activer cette ACL, c'est cette interface-là. C'est l'interface qui est externe au réseau 4.0, donc l'interface 0/0. On va entrer en mode de configuration de cette interface. Et là, on va appliquer l'interface. IP Access Group. L'ACL, c'est la numéro 10, voilà. 10. Et là, on a soit in, soit out. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'on mettra comme mot-clé ? Est-ce qu'on va filtrer selon le trafic entrant ou bien selon le trafic sortant ? In, voilà. Donc, in veut dire le trafic qui va venir, qui va entrer au niveau de l'interface 0/0. Le trafic qui entre au niveau du réseau 0/0, c'est le trafic qui est externe. Si on avait mis out, ça sera le trafic qui sort du routeur R4 par l'interface 0/0. Donc on met un in. Voilà. Donc maintenant l'ACL elle est activée. On va essayer les différents pings. Donc on reping par là. Donc Nayas, ça devrait marcher. Voilà. On va maintenant essayer le ping à partir d'autres PC. Donc des équipements qui font pas partie du réseau 1.0. Regardez, si on va maintenant en mode simulation, on va essayer le ping par exemple ici. Donc le paquet, il va traverser le réseau. Bon, il a traversé la... Par défaut, les deny in, j'ai pas compris. Non, in, c'est pas pour ACL standard. Donc il y a in et out. In pour le trafic entrant et out pour le trafic sortant. Parce qu'il y a le, quand on crée l'ACL, il y a le mot-clé. Regarde. IP access list standard. Alors, où est-ce qu'on était ? Alors, regardez, ça marche pas. Même un autre réseau. Maintenant, par exemple, au niveau de R0, si je teste le ping, si j'essaye de pinger le réseau 4.0, un des PC, à votre avis, est-ce que ça va marcher ou pas ? Si on teste un ping à partir du routeur, celui-là, R0. Pourquoi ? On va tester, par exemple, on va pinger le 4.1. Non, mais le routeur, le R1, il appartient aussi bien au réseau 1 qu'au réseau 2.
Oui, il a plusieurs, il a deux interfaces. Donc, quand on utilise le ping comme la commande, si on veut, on n'est pas en train de spécifier depuis quelle interface on est en train de faire le ping quand on fait ça. Qu'il y a une autre façon de faire pour pouvoir, au niveau du routeur, sélectionner via quelle interface on teste le ping, c'est comme ça. On va taper uniquement la commande HACCP ping. Et là, on va saisir des options concernant le ping en question. Par exemple, bon, là, on va mettre la destination. Donc, 4.1, je pense. Là, on va rien mettre. Ça ne nous intéresse pas. Là, au niveau de Extended Commands, on va mettre Yes. Et regardez là ce qu'on a. Là, on peut maintenant spécifier depuis quelle adresse source on va pinger. Au niveau de ce routeur, est-ce qu'on va pinger depuis l'adresse 1.10 ou bien est-ce qu'on va pinger depuis l'adresse 2.10? Voilà. Quand on ne choisit pas l'interface, je pense qu'il choisit la plus proche. Par exemple, Hinaya, quand on voulait pinger ce réseau-là, c'est sûr qu'il va utiliser cette interface. Parce que déjà, le paquet, il va en cette direction. Mais on peut faire en sorte de choisir cette interface exprès pour le ping. Maintenant, on aura au niveau du paquet, au niveau de l'entête, adresse IP source, une adresse de ce réseau. Ce que je voulais vous dire, c'est que si on teste. Oui, il devrait marcher, donc je vais juste. Donc, je suis après. Alors. Veut dire, si on choisit cette interface, ça marche. Et si on choisit cette interface-là, ça ne marcherait pas. Je pense que le problème, il intervient au niveau des passerelles. T'as les PC en question. Il y a certains qui ont cette passerelle, il y a certains qui ont cette passerelle aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on va momentanément bloquer le. On va enlever on va câbler les routeurs directement. Alors normalement c'est la 1 slash 0 qu'on a configuré, là c'est la 0 slash 0. Même Hnaya, on va faire la même chose. Alors la 0, la 1 et la 0. Voilà. Alors. Normalement. Ouais, normalement, il n'y a pas de problème. Bon, on va retester le ping. Bon, ping normal. Bon, allez, on va tester le ping via les options. Point 4.1 par exemple. Et là, on va choisir par exemple l'interface. Là, normalement, c'est la 1 point. Voilà, la 1.10. Bizarrement, ça devrait marcher. On va voir déjà si les PC ils arrivent à communiquer. Ah, il n'y a pas de communication. Config. Ah, il n'y a pas y a pas un chemin pour le réseau 4.
n'y a pas aussi un chemin pour le réseau numéro 4? Bizarre, alors qu'on a invoqué ça ici. On va voir déjà où le paquet il est en train de s'arrêter. Bizarrement ici. Alors, ce que je vais faire, je vais changer les câbles, je vais utiliser des câbles série. Interface 2. Voilà. Voilà. Et là, on va changer l'interface 1/0. Là, il n'y a pas encore les... Voilà, il n'y a pas encore les échanges de messages OSPF. Là, il a appris le réseau 3. Voilà, là il connaît tout le monde.
c'est bon, Naya. Hedda, il n'arrive pas à prendre la route du réseau 4. Est-ce que vous arrivez à voir où Rahil est l'erreur? Et le problème, il est au niveau de R0 qui n'a pas appris la route vers le 4. Regardez.
Voilà. Maintenant, ça marche. Je ne sais pas, ça vient de marcher. Juste en redémarrant le routeur. Show IP boot. Voilà. Alors, il faut déjà réappliquer la CL au niveau de l'interface série. La CL, c'est là. Il faut voir son. Attendez. Il faut voir son numéro. Donc, c'est la 10. On va l'appliquer au niveau de l'interface 2/0. IP access group 10 in. Voilà. Quand on met en place cette ACL, on va faire en sorte que uniquement le réseau 1.0 puisse communiquer. Si on ping à partir, par exemple, de ce routeur-là, ça ne marche pas parce qu'un de soi l'interface du réseau 2 ou bien du réseau 3. On revient maintenant au routeur HADA qui peut normalement joindre le réseau 1.0 en utilisant son interface qui est à gauche. Si on reteste le ping maintenant, .4.1 par exemple. Bon, là ça marche pas. On va essayer le ping étendu. .4.1 par exemple, voilà. Normalement, on voit le 1.10. Ouais. .168.1.10. Voilà, si je vois le paquet, voilà, ça va de 1.10 jusqu'à 4.1. Bizarre. .1.10. Regardez, Naya, le paquet, il est délivré. Regardez, il est délivré au PC. Ce que je comprends pas, c'est Naya, la réponse ICMP, elle sort pas du routeur. La réponse ICMP ne sort pas du routeur. Ah, ce routeur là paraît qu'il n'a pas de route OSPF. Qu'est-ce qui se passe? Le ping ne marche plus encore. Show IP route. Là, il y a les routes. IP route. Là aussi. Mais là, il n'y a pas de route. Pourquoi?
Pourtant, le routage est configuré. Là, il perd la route du réseau 4. Qu'est-ce qui se passe? Ça marche toujours pas. Alors, est-ce que vous savez pourquoi ça marche pas? Parce que moi, j'en ai aucune idée. Hein. On n'arrive pas à voir le
le réseau 4. Est-ce que vous pouvez m'aider? Je ne vois pas où est le problème. On n'arrive pas à... Par exemple, ça marche à un certain moment, mais là, il y avait la route du réseau 4.0. Après, je sais pas comment elle s'est supprimée quand on a testé le ping. Est-ce que vous avez une idée sur cette erreur? Non, je pense pas. Ah, vous voyez plus le partage. Ok. Peut-être, oui. Regardez. On a configuré le routage normal. On annonce les réseaux 3 et 4. Ici, on annonce les réseaux 2 et 3. Et ici, on annonce les réseaux 1 et 2. Et pourtant, on n'a pas la route vers le réseau 4. Même ici. Yada, il n'a pas les routes OSPF. Je les ai vérifiés. Ça marchait à un moment donné et puis ça a arrêté de marcher. Je n'ai pas compris. Hein. La serelle 2/0 qui est ici, elle fait partie du réseau 2, donc 2.20. Et celle-là, 3.10. On a normalement S2/0 3.20 et 4.10 ici. Et la 2/0 ici, voilà, c'est la 2.10. On a celle qui est à gauche, c'est la 1.10. Ouais, je vois pas le problème. Ouais. Enlever la CL, ok. Au niveau de l'interface.
Donc IP access group 10 in. Ah oui, vous avez raison. Regardez, on commence à recevoir les messages OSPF. Show IP route maintenant. Ouais, bravo. Ouais, bravo. Eh, plus deux gars. Bon, monsieur, plus 0,5 Sami. Ah oui, c'est lui qui a trouvé. C'est vrai. Quand on a fait un permit que le réseau 1.0, on était en train de refuser tous les paquets OSPF. C'est très logique. Alors, on revient vers... on va là, maintenant la réappliquer. Puis, attendez, on va d'abord tester la connectivité pour être sûr que le réseau déjà marche. Donc, c'est comme si on a plus besoin des messages OSPF, si on veut. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va réappliquer la CL au niveau de l'interface. IP access group 10 in. Voilà. Et on va retester le ping à partir du routeur. On va pinger un PC du réseau 4.0. 4.1. Voilà. On va retester le ping étendu. Point 4.1. Et là on met yes. 10.1.10. Enfin, on a deux paquets déjà qui sont reçus. On va répéter. 4.1. .1.10. .10. Ça devrait marcher. Déjà, Bella, ça a marché un peu. Attendez. Ici. Je sais pas pourquoi ça marche pas aujourd'hui. Mais sinon, si on teste le ping à partir de l'interface 0/0, ça devrait marcher. Bon, si on teste maintenant à partir d'un PC, c'est sûr que ça va marcher. Ah, ça bascule vers failed. Qu'est-ce qui se passe encore? Je pense que Head LACL, elle est en train de... Sinon, ça aurait été bien si on avait configuré un routage statique. Ouais. De préférence, on va opter pour un routage statique. Bon. Alors, IP route pour aller au réseau. Donc, qu'est-ce qui nous manque? Que le réseau 3 et 4. Voilà. IP route 192.168.3. On passe par l'adresse du routeur voisin. Celle-là. .20. Et pour aller au réseau 4, kiff kiff.
Donc normalement, les routes statiques, elles sont prioritaires aux routes apprises par OSPF. IP route pour aller au réseau 1 et 2 maintenant. On passe par la 3.0, donc 3.10. Au niveau de ce routeur, IP route 1.0. Pour aller au réseau qui est à gauche, on passe par la 2/0, donc par 2.10. Et pour aller au réseau 4, on passe par cette interface. 2.2/0, pardon, 3.20. On va tester maintenant. Voilà. Bon, la CL, on va l'appliquer. Normalement, ça ne devrait pas marcher. On va retester le ping Naya. Voilà, ça marche. Et si on teste le ping via une autre interface, 168.4.1, on va essayer de pinger à partir de l'adresse 2.10. Voilà. Là, ça ne marche pas. Parce que c'est l'ACL qui est en train de refuser le trafic. Regardez si on va en mode simulation déjà. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on va sentir qu'il y a une ACL qui est derrière. Regardez, quand on, ping, quand on fait un test de ping d'un PC, bon, ça va marcher. On va essayer, dans le cas par exemple, où ce routeur va pinger le PC. Donc, il est censé... Donc, il y a connectivité. Regardez. Dès que le paquet en question arrive au routeur, on génère un nouveau paquet qu'on va réenvoyer à l'équipement qui a voulu se connecter pour lui dire que le problème, c'est qu'il y a le trafic n'est pas autorisé. Quand vous voyez cette enveloppe qui est générée, ça veut dire que c'est vrai qu'il y a connectivité, mais l'ACL fait en sorte qu'on bloque le trafic. Maintenant, si on teste le ping d'un PC ici vers le routeur, est-ce qu'à votre avis, le ping il va fonctionner? Pourquoi? Anna, je dis que le ping ne marche pas. Si on ping PC6 avec le routeur. Pourquoi ça ne marche pas? Non? Même pas. Exactement. C'est ça. On ne reçoit pas la réponse ICMP. Donc l'envoi, il va se faire si on va en mode simulation. Regardez. Regardez, le paquet il va sortir, il va arriver au routeur, le routeur il va répondre, Naya, la réponse ICMP ne va pas arriver. Donc la communication, si on interdit par exemple au réseau 1.0 de communiquer, bon Naya, on a permis, si on interdit au réseau 2.0 de communiquer avec
le réseau 4.0. Donc ça va, la communication, elle va échouer dans les deux sens. Pourquoi? Parce que le principe d'ICMP, c'est d'envoyer une requête ICMP et d'attendre de recevoir la réponse ICMP. Là, la réponse, elle était favorable. On allait recevoir un reply. Sauf que le reply, il a été stoppé ou l'a bloqué par le routeur parce qu'il y a une ACL qui interdit un trafic différent du réseau 1.0. Oui. Parce que le ping, si on envoie une requête, on attend de recevoir la réponse. Mais si, par exemple, c'était un autre test de connectivité, c'est-à-dire que le paquet ICMP, il est arrivé à destination, sauf que la réponse n'a pas pu revenir, parce que le routeur pare-feu l'a bloqué. Mais sinon, normalement, la communication peut se faire. Le paquet ICMP, il a atteint la destination. Dans le cas où un PC du réseau 1 essaie de joindre 4, là, on n'a même pas le paquet qui arrive, d'ailleurs. Le paquet ICMP n'arrivera pas. Il sera bloqué ici. Donc, il n'y aura même pas une génération d'une réponse. Mais là, on a envoyé le paquet, on a généré la réponse, et c'est la réponse qui s'est bloquée à ce niveau-là. Est-ce que vous avez compris jusqu'à présent? Bon, on va tester une deuxième ACL. Donc, on va désactiver celle-là. Donc, pour comprendre les notions, il faut toujours travailler ACL par ACL. Donc, on va au niveau de l'interface serial 2/0. Et on met un OIP, Access Group 10. In. Même chose, si on veut supprimer une ACL, il faut juste mettre no IP access list standard 10. D'ailleurs, on a supprimé l'ACL qui a pour identifiant 10. Maintenant, par exemple, on va essayer de créer une ACL à ce niveau-là. Bon, déjà, je n'aurais pas dû vous dire à quel niveau. On va faire en sorte qu'il y ait une ACL qui interdit au PC 7 de communiquer avec ce réseau. Donc, quand vous lisez, que, par exemple, en examen, quand on vous donne un scénario à réaliser, donc créer une ACL, il faut d'abord déterminer la destination. La destination, dans notre cas, c'est le réseau 1.0. Puisque la destination, c'est 1.0, il faudra créer l'ACL au niveau du routeur le plus proche de la destination, et donc au niveau de ce routeur-là. On va créer une ACL qui va interdire que PC numéro 7 communique avec ce réseau-là. Donc, on choisit ce routeur. Par exemple, là, on va opter pour une ACL nommée IP Access List Standard SSI. Et là, qu'est-ce qu'on va mettre comme règle? Exactement, on va mettre un deny host et on met son adresse IP. Donc on va chercher l'adresse IP du PC numéro 7. Donc c'est la 4.2. Donc deny host 192.168.4.2. Qu'est-ce qu'il faut ajouter aussi? Donc si on met ça, c'est vrai qu'on va interdire à ce PC de communiquer avec le réseau 1.0, mais on va interdire le tout. C'est pour ça qu'il faut ajouter à la fin un permit any. Ça veut dire que j'interdis celui-là, mais tout le reste, je vais l'accepter. Si je ne mets pas celle-là, donc il n'y aura pas une règle qui sera acceptée quand on va parcourir l'ensemble des règles en mode de séquentiel. Et maintenant, on va appliquer cette ACL au niveau d'une des interfaces du routeur. L'interface en question, ça sera laquelle? Donc, on applique l'ACL SSI au niveau de quelle interface du routeur 0? L'entrante, c'est-à-dire laquelle? Donc, Fast Ethernet 0/0 ou bien Serial 2/0. Voilà, serial 2/0. Exit.
IP, access group, SSI, in ou bien out? Bien évidemment in. In veut dire tout le trafic qui va entrer à partir de cette interface-là. Donc in, ça va comme ça, et out, ça sort. On va tester maintenant. Voilà, on a cliqué sur OK. Donc on a fait un deny. Il veut dire que le PC, il est censé ne pas pouvoir communiquer avec le réseau. Que ce soit PC1 ou bien PC0. Donc il faut être en real time. Regardez, il n'arrive pas à joindre le réseau. Si on teste à partir de PC6, regardez, ça marche. Donc toute adresse différente de la 4.2, elle pourra communiquer avec le réseau 1.0. On va désactiver aussi cette interface. Alors, ce qu'on a évoqué aujourd'hui, c'est que les ACL, on peut les appliquer au niveau d'interface. On peut aussi appliquer des ACL au niveau des lignes virtuelles. C'est-à-dire que on peut par exemple faire en sorte d'autoriser un réseau à se connecter à l'équipement à distance, donc via Telnet ou bien SSH, c'est la même chose, ou bien interdire. Donc on va par exemple appliquer au niveau du routeur R3 une ACL qui va interdire au réseau 1.0 d'accéder au routeur R3 via par exemple Telnet. On va opter pour Telnet. Plus simple à configurer. Remarquez, même quand on est en train de désactiver les ACL, il y a les messages OSPF qui reviennent. Bon, on va d'abord activer Telnet. Bon, il faut mettre un mot de passe pour le mode utilisateur privilégié. SSI. Enable password, pardon, ou bien secret. Il faut configurer les lignes virtuelles. Ça dépend du nombre qu'on veut. On va faire pour le tout. Donc, password, on va mettre SSI et login. Voilà. Donc, on va d'abord tester le Telnet sans l'ACL. Donc, on peut accéder au Telnet soit via l'interface, l'adresse 2.20 ou bien 3.10. On va essayer à partir de ce PC, par exemple. 3.10. Ça marche. Ou bien à partir de l'adresse 2.20. Kif kif. Ça marche. On va voir aussi si ça marche au niveau de ce réseau. Ça devrait marcher aussi. Ça marche. On va faire en sorte que le réseau 1.0 ne puisse pas accéder à R3 via Telnet. Donc on va créer l'ACL au niveau du routeur en question. Donc au niveau, le routeur auquel on veut appliquer cette ACL, on crée l'ACL au niveau de ce routeur-là. Donc IP, access list, standard, donc nommé ou bien numéroté, par exemple 30. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On a dit qu'on va interdire à ce réseau de communiquer. Donc, deny le réseau. Et on va faire un permit any. Ça veut dire qu'on interdit uniquement au réseau 1.0 d'accéder au routeur via Telnet. Maintenant, on va appliquer cette ACL au niveau des lignes VTY. Donc on rentre en mode de configuration de ligne. Et là, on applique l'ACL en question. Pour pouvoir appliquer une ACL au niveau d'une ligne VTY, c'est via la commande access class. Donc pour les interfaces, c'est IP access group, nom ou bien numéro de l'ACL, plus les mots-clés in ou bien out pour trafic entrant ou bien sortant. Pour les lignes virtuelles, c'est via la commande access list, puis le numéro ou bien le nom, donc 30. Aussi, in ou bien out. À votre avis, on mettra in ou est-ce qu'on mettra out?
in. Trafic entrant. Trafic qui entre au niveau des lignes virtuelles. Voilà. À ce moment-là, on a appliqué l'ACL au niveau des lignes virtuelles. Il ne reste plus qu'à tester le Telnet. Donc, on va le tester ici. Normalement, ça devrait marcher parce que le réseau 3.10 est, l'adresse 3.10 est différente du réseau 1.0. Maintenant, on teste ici. Regardez, il vous dit « Connection refused by remote host ». Donc, les PC du réseau 1.10 ne peuvent pas accéder à distance au routeur R3. Donc, on aurait pu configurer soit Telnet, soit SSH, ça aurait fonctionné pour les deux. Voilà, donc ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'au niveau des ACL standards, on peut vérifier le trafic entrant ou bien sortant uniquement en fonction de l'adresse IP source. On applique aussi l'ACL standard le plus proche de la destination. Et on peut appliquer une ACL soit au niveau d'une interface d'un routeur ou bien au niveau des lignes virtuelles. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Si on spécifie les services, par exemple, Internet ou SSH. Au niveau des ACL standards, c'est déjà le Standard Access List. Voilà. Mais c'est pas Extended. Non, standard. C'est une ACL standard. Celle qu'on a créée, c'était une ACL standard qu'on a appliquée au niveau des lignes virtuelles. Donc, ce qu'on remarque, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'options, on n'a pas beaucoup d'attributs au niveau de l'ACL. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire en sorte, par exemple, qu'il y ait uniquement un trafic TCP qui est autorisé, ou bien uniquement un trafic UDP qui est autorisé, ou bien uniquement un trafic provenant d'un numéro de port spécifique, ou à destination d'un numéro de port spécifique. Donc, tous ces attributs-là, on peut les configuré au niveau des ACL étendues. Une ACL étendue, c'est une ACL qui permet de filtrer selon plusieurs attributs, qu'on verra la semaine prochaine. C'est à peu près la même syntaxe, sauf qu'on a plus de... On peut filtrer plusieurs types de trafic. Voilà. Kif, l'ACL étendue, on peut l'appliquer soit au niveau des interfaces, soit au niveau aussi des lignes virtuelles. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, un filtrage par port au niveau des ACL étendu. Au niveau de l'ACL étendue, on a le permit et le deny, et après on a l'adresse source, et puis on a aussi l'adresse de destination qu'on peut définir au niveau de l'ACL étendue. On peut même spécifier le protocole IP, ou bien TCP, ou bien UDP, ou bien ICMP. Donc ce qui est obligatoire au niveau de l'ACL standard étendue, pardon, c'est l'adresse IP source et destination. Pour tout ce qui est numéro de port ou bien protocole aussi, c'est pas vraiment, numéro de port, c'est pas obligé de les mettre. Mais sinon, on peut les mettre. Ça veut dire qu'on a plus d'options concernant le filtrage. Voilà, Hadouma, on les verra la semaine prochaine en détail. Et pour toutes les commandes de vérification, vous avez, je pense, show access list. Show. Voilà. Là, vous pouvez voir la liste des ACL que vous avez créées. Vous pouvez avoir aussi des détails concernant une ACL donnée. Donc, soit par son nom, soit par son numéro. Attendez, voilà. Là, on a créé la CL30, donc on peut avoir toutes les règles qu'on a créées au niveau de la CL30.
Est-ce que vous avez des questions? Voilà, donc je vous envoie les commandes, je vous envoie l'enregistrement. Et aussi, j'ai préparé un résumé de tous les TP en format papier. Je l'ai aussi imprimé. Alors, quand vous serez à l'université, avisez-moi pour que je puisse vous les transmettre. Voilà, donc on se voit la semaine prochaine pour les ACL étendus. Merci à vous. Bonne fin de journée et plus 05 à Samy. Hein. J'oublie pas. Et si j'oublie, vous me rappelez. Hein. C'est peu.